Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va encore partir en tournoi. Je vais à Thonon-les-Bains au... C'est quoi déjà? Au Thonon Game Fest. Donc c'est un festival gaming, jeux et compagnie. Et il y a un tournoi Yu-Gi-Oh qui se prépare là-bas. Et du coup, je vais participer avec la bande de Grenoble. On est une petite dizaine à partir là-bas. Une petite dizaine, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, je vais essayer de vous filmer l'événement comme d'habitude. Si vous kiffez, vous laissez des pouces, des commentaires. Et puis, vous abonnez. J'espère que la vidéo sera super cool. Et bien entendu, des petites surprises arrivent très très bientôt sur la chaîne. Je vous en dis pas plus et puis on verra ensemble. Allez, la bise, à tout à l'heure. Et voilà, une partie de la troupe avec qui on part à Thonon. J'ai nommé Paulin, Alex et Matt. La bonne voiture. Et on attend Naïm qui est toujours en retard a priori. Et voilà, enfin il arrive, on va pouvoir partir. Ah bah j'ai couru, c'est bon. Je peux faire comme ça. Let's go, c'est parti. On est arrivé, on est à Thonon. Let's go. Vous êtes chaud les gars? Bien sûr. Bien sûr. Du lait. Du lait. Ça y est, tout le monde est arrivé. Et notre star national, André. Allez, parcours. Une merde. C'est parti, du lait. Allez, bon, on vient d'arriver. Ça fait à peu près 5 minutes. On est devant le festival qui sera là-bas. Et on est avec la team de Grenoble. Ils sont tous là. On est chaud. On va essayer de toper aujourd'hui. Ça va être cool. Ça y est, on est rentré, on vient de payer l'entrée et on va visiter un petit peu, j'ai essayé de filmer ça sympa, mais je vais vite aller au local Yu-Gi-Oh là parce qu'il faut que je fasse ma techlist et tout et puis je vous montre le reste du festival juste après. Let's go. On enverra une géologue au gars. On viendra ici tout à l'heure. Ah. Ok, cool, on va s'inscrire. On est arrivé dans la salle de duel. La moitié des participants, c'est des grenoblois. L'organisation. Et ouais, trop cool. On va bientôt commencer là, il est quelle heure? Putain, j'ai pas l'heure. Mais je pense en 10-15 minutes. Et puis on verra comment ça va se passer. Donc on va bientôt lancer le tournoi. J'attends juste les 3 dernières inscriptions. Donc on sera 31 aujourd'hui pour le tournoi. Qui va faire entre 5 et 6 rounds. Donc ça sera des rounds de 40 minutes. D'accord? Bien sûr, avec les nouvelles règles du time qui sont appliquées depuis un an, fin de phase au bout du time. Vous aurez 3 écrans pour le time qui sont les petits écrans que vous voyez à chaque coin de la salle. Donc le time sera affiché, il n'y aura pas de problème là-dessus. D'accord? On sera très souple sur les règles, d'accord? Il y aura quand même des one-out qui vont tomber, on fait attention à la triche, on fait attention à bien expliquer ses moves, d'accord? Au niveau des lots, du coup, comme annoncé, pour le premier, il y aura la figurine, d'accord? La belle pièce dragon blanc pour le premier. Et ensuite, vous avez tout à cadencer de l'eau pour tous les autres, dont des OTS supplémentaires aussi, d'accord? Donc il y a des tapis à gagner, que ce soit pour le deuxième, le premier. Il y aura un tapis au tirage au sort, d'accord?
Au niveau des rounds, on a fait 2 rounds et je vous donne pas d'une heure pour manger. Comme ça, vous avez bien le temps de faire un petit tour de l'événement, d'accord? Et puis bah voilà, hein, je vous souhaite un bon tournoi à tous. Et puis bah, je vais voir Seb. Merci à tous d'être venus, surtout voilà, pour Yu-Gi-Oh, ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde. Voilà, comme ça pour Damas. Et puis voilà, bah, bon tournoi à vous, hein, tout simplement. Let's go, hein, fight. Hein. Okay, c'est parti. Ah, oui. Merci. Merci. Bon, ça va commencer. Premier adversaire. Et le reste de la team. Du lait. Bon, premier duel, c'est une victoire, on a fini assez vite et il reste des gens qui sont encore en train de jouer et on va pas trop les déranger, donc je vais juste vous filmer quelques petites scènes tranquilles et puis on se revoit juste après. Deuxième round, c'est parti, je tombe contre le bro, Alexandre. Bonne chance, Alex. Bonne chance. Du lait. J'ai fait un plat du coup coréen. Ça c'est j'ai fait un gigot d'agneau laqué avec de la crème de chorizo et du kimchi. Mais du coup c'est toi le chef. C'est toi le chef alors. Ouais. Ok. Bien sûr. Plaisir, du coup on change. Tous les jours on arrive, on commence par la recette Rocket League, après la recette Smash Bros, après la recette Top Legend. Là dans 45 minutes. C'est bon. Merci. Merci, hein, c'est super cool. Bye bye. Pour toi. Présente les pingouins. Ah! T'es mort, Nelson, t'es nul! Non, c'est. Ah ouais, merde! We'll be right back.
Bon, bah, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai perdu mon deuxième duel malheureusement. Donc je suis pas sûr de pouvoir faire un top 1 et d'avoir le dragon blanc. Mais bah, c'est pas grave, écoutez, on est allé bouffer avec les potos, vous avez dû voir ça sur les vidéos, et tout tranquille. Et bah, on va bientôt reprendre, là il est 14h20-25 et on reprend à 14h30, donc bah, ça va être la suite des événements. Oh, et les pairings sont déjà affichés, je vous montre tout ça vite fait. Ok, bon bah du coup on va affronter un poteau de Grenoble, c'est Matt. Matt, bonne chance. À toi aussi, bon. J'ai oublié de faire la pub pour ma team. Je vais prendre le vent. Bon, c'est encore une défaite pour la round 3. Bonne chance. Bon, c'est pas grave, il reste encore deux rounds pour s'amuser. C'est bon. Quatrième round. Todd Nelson, l'éternel rival. Bon les gars, je suis deg, j'ai fait 0 perf aujourd'hui, hein. 3 muses, une victoire, j'avais changé de deck, en plus j'ai pas pris mon deck monde virtuel, malheureusement j'ai pris Salamon Grande pour tester, et pas de chance, hein, mauvais match-up, pas les bons decks, pas les bonnes cartes, c'est pas grave, ça arrive, pendant ce temps-là, bah, je vais aller profiter un petit peu du festival, tranquille, j'ai encore un peu de temps, j'ai perdu rapidement, et puis on se revoit pour le dernier round. Bon, dernier round les gars, je tombe contre Guillaume, bonne chance à toi Guillaume. Et puis on va essayer de faire quelque chose quand même, hein, parce que c'était pas laborieux aujourd'hui. Frappe du cauchemar, exactement. Bon les gars, c'est terminé, bah, j'ai fait une victoire sur le dernier round, mais bon, ça m'a pas permis d'être dans le top, je vais pas avoir de récompense fabuleuse malheureusement, mais c'est pas grave, on a passé une super bonne journée, c'est super cool, et le festival est pas terminé, et du coup, on va aller voir ça, et je vais vous filmer un petit peu la remise des récompenses, let's go. Il y a de l'extra. Et toi, tu bois quoi? Du lola. Du coup, en 22ème, on a Pierre-Louis. Ouais. Pareil pour toi. Bah, bravo à toi. Un petit commentaire? Bah, c'était génial, hein, franchement. La grosse loose. La grosse loose, j'ai bien seul. Je te jure, c'est pas Yu-Gi-Oh! Ah, si, ça, c'est pas Nelson. C'est un cherché. Pour toi, Nelson, la petite pièce de collection. En plus, bravo à toi en tout cas. Hein? On a André. C'est lui, hein. Bravo à toi, André. Il est où, André? Il est où? Il était en train de faire des échanges. Ah, t'es là, excuse-moi. Ton petit pin collector, c'est lui. Allez, André. Du coup, à la deuxième place, on a Raphaël Sartre. Bravo à toi. Et pour nos pièces supplémentaires aussi. Et du lait. Bravo. Et du lait, Raph. On est à Tom. Ouais. Oui. Là, il t'a baffé, je suis choqué. Je prends ton petit pins, c'est ton OTS. Ah, t'es fait pins. En deuxième position, là, ramé. Bravo à toi, Vincent. Vincent, t'es le meilleur. Non, moi, joue. Alors maintenant, du coup, en 9ème position, on a Mathieu. Bravo à toi, Mathieu. Bien joué, Mathieu. En 4ème position, on a Alexandre. Ah. Ouais. Donc pourquoi le petit tapis? Tout simplement. Merci beaucoup. Allez, allez, bravo Alex. À toi. Non, c'est grâce à Majou, ça. Grâce à Majou.
Nani ou Petit pour l'autre. Ah bah je suis 3ème en partant du bas, Maramé. Petit tapis Blackbuster, ouais. Toi. Merci. Name, name. Yes. Ça y est. Ouais, il a le tapis. Julien. 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 Alors, bravo à toi, ne t'inquiète pas avec le magnifique dragon blanc. Incroyable, incroyable. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a tous plu en tout cas. Let's go! J'espère que ça vous aura tous plu, vous avez passé tous une belle journée, ça vous a plu. Mon Dieu! Bah du coup le tournoi est terminé et le grand vainqueur c'est Paulin. D'ailleurs, vous aurez sa decklist bientôt sur la chaîne. Bon, retour sur le tour. Ah, mec, il manque Nelson, il est où Nelson? Il traîne le PIB du Mali. Bon, retour sur le tournoi. On était 10 Grenoblois. Tout le monde est là, sauf Nelson. Oh, et Paulin qui gagne la statuette. Et du coup, voilà, ça a été super cool. C'était une bonne journée, les gars. Franchement, ouais. Incroyable. Et qui c'est qui a bu du lait aujourd'hui? Lui! Voilà! Tout en l'air! Et ouais, donc du coup, il manque Nelson et Naïm. Bah, j'essaierai de vous les montrer avant qu'on parte. Et puis, je vous fais des gros bisous. Si vous avez kiffé la vidéo, vous laissez des pouces, des commentaires et des abonnements. Et je vous vois bientôt. Bye bye!